duré 15 ans non plus. Je crois que ça fait au moins un an que j'ai lancé ce let's play. Ok. Du coup, là, on est au hub. Et il faut qu'on aille dans la dernière partie, j'imagine, du jeu. Il y avait quoi? On pouvait faire ça. On pouvait planer. En laissant appuyer. Ouais, ok. Tac. On pouvait utiliser ça. Ok, je pense que c'est là. Enfin, je me rappelle plus, en fait. Ça doit être par là, je pense. J'avais oublié à quel point c'était joli. Ouais, ça doit être là. Parce qu'on a débloqué aucun petit point, là. Donc ça doit être ce niveau. On va monter. What? C'est une luciole, hein. Je pense que cette fois, la mécanique, ça va être qu'on va pas avoir accès à tout. C'est la luciole qui va nous aider à prendre connaissance de notre environnement, sûrement. Ah merde, ouais, faut casser ce vase, sûrement. Libère les petits papillons, et comme ça on peut monter. Ok, c'est parti. Ça change rien, j'ai l'impression. Ok. Là, on va aller où là cette fois? Ok. On va aller dans l'espace. Ah, cette fois, l'ambiance, ça va être. L'espace, on a été dans les profondeurs, dans les abysses, et maintenant on va être dans l'espace. Ok, très bien. Il y a quoi? Ok, il y a des papillons dorés à droite. Et on va quand même aller voir à gauche. Ah, c'est très... j'allais dire arborisé, mais ça veut rien dire. Ouais, non, à gauche on va pas y aller en fait. Mais il y a plein de fleurs et de végétation un peu partout. C'est joli. Ok, c'est parti. On va être propulsé quelque part, on sait pas trop. Waouh! Une explosion. On va descendre. En fait, oh, ok. Ah, ça devient de plus en plus sombre. Et les papillons dorés vont nous aider à garder de la lumière, de ce que je comprends. Il y a des papillons là-haut pour nous propulser, mais ils sont trop loin. Ah ouais, ok. Ouais, ouais, ok. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Ah, on peut descendre tout en bas, en fait. Oh, c'est trop stylé. Ce que je vous avais dit sur la chaîne, sur mon côté perso, mais là en ce moment j'ai pas eu le master que je voulais l'année dernière. Du coup je suis un peu en... Attendez, tac, on va attendre là. On va d'abord finir ça et après je vous parle. Ok, donc là je suis un peu en... spécial parce que j'ai pas eu le master que je voulais, du coup je préfère refaire une année
master que je veux l'année prochaine. Et du coup, je suis. Je fais des cours, mais genre j'ai 10 heures de cours par semaine. Donc c'est vraiment rien. Et à côté, je fais un service civique dans une asso. Qui est super cool, où en fait on fait de l'animation en école et tout sur le. De l'animation sur. Sur la nature et sur la découverte de la nature. Donc c'est en lien avec ce que je veux faire plus tard et. Et avec mes ambitions, donc c'est trop cool. Surtout que l'équipe est super. C'est un peu dommage pour l'instant parce que vu qu'on est en confinement, je peux pas faire. On n'a pas pu trop faire d'animation encore. Enfin, on en a fait, mais à distance, donc c'est. Je vois pas. Du coup, c'est un peu spécial. J'en ai fait qu'une en présentiel pour l'instant. Mais c'est trop cool, ouais. En fait, je fais de l'animation. Bon, je m'amuse un peu du coup en ce moment. Là, je m'amuse un peu. Sur le jeu, je fais pas trop gaffe, vu que je suis en train de parler. Faudrait aller à gauche. Attendez. C'est pas évident, les contrôles un peu, je trouve. Voilà. Non, on peut pas passer. On peut pas aller par la gauche. Comment ça? Si déjà, on peut aller sur la gauche, là. Il y a peut-être genre un truc. Là-bas, là. Ouais, il y a des trucs. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il y a une feuille. Est-ce qu'on peut pas casser? Non, on peut rien faire. Et voilà, du coup, je fais des animations. Et j'aide aussi. J'ai aussi un projet de verger à créer. Bon, en fait, je suis pas tout seul à le faire. Il y a une autre, la directrice de l'asso qui m'aide. Mais du coup, on est en train de faire. Pour l'instant, on est en train de. Ah, je crois qu'il faut faire un truc avec les petits. Ah, ok. Ah, c'est super ça. Merde. Ok, j'ai compris. Il va falloir utiliser les petits papillons. Et du coup, ouais, je disais. Je suis pas tout seul et là en ce moment on est en train de voir pour faire. Enfin on est en train de commander les plantes du verger qu'on veut créer dans le jardin collectif. Parce qu'en fait c'est un gros projet où il n'y a pas qu'un verger. Enfin il n'y a pas qu'un jardin collectif. C'est un projet de tiers-lieu, donc il y aurait aussi un projet de faire d'avoir un lieu pour les assos. Et une cuisine pour transformer la nourriture du jardin et du verger. C'est un peu pour créer aussi un lien social. Parce que c'est une ville de proximité de grande ville. Donc c'est un peu une ville dortoir quoi. Du coup, le but c'est d'essayer de recréer du lien social. D'avoir un espace de nature et. Et un espace d'animation aussi à la nature. Et des locaux pour l'asso qui n'en ont pas sur cette partie-là de. Parce qu'il y a deux antennes. Il y a l'antenne où je suis, il n'y a pas de locaux pour l'asso. Enfin bref. Du coup, pour l'instant, ça se passe bien, c'est super cool. Donc je suis content. J'ai du temps pour. J'ai un peu de temps pour moi, du coup. Je pourrais faire des vidéos, mais j'y pense pas trop vu que je suis dans d'autres projets. Je fais d'autres choses en ce moment. Mais c'est vrai que je pourrais faire des vidéos, du coup. Je cherche d'autres trucs. Ok, ben, je parle, mais on avance là. Avance. Ok, on va aller là-haut. Merde. Putain, je voulais pas faire ça. Je me suis rattrapé, heureusement. Sinon, j'aurais dû tout refaire. Ça m'aurait fait chier, j'avoue. Ok. On avance. On retrouve la petite Luciole de tout à l'heure. Elle nous dévoile un pont. Et comment on va là-haut? Elle est bien marrante, elle. Ah, ok.
nombreux épisodes en vrai. Enfin, je sais plus combien. On est à combien d'épisodes de la série là. Je pense pas que ce soit un jeu super long non plus. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire là? Non, c'est pas ça. Je vais aller voir là. Je vais retourner voir la Luciole, ce qu'elle nous montrait. J'ai pas fait gaffe. Essayer de sauter. Mais dégage. C'est trop chiant. Je sais pas comment on va faire du coup. Ouais, on peut pas y accéder. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sous la mer quoi. Est-ce qu'on peut remonter par le... Non. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ouais, du coup en ce moment je joue pas mal. Et je me suis remis à jouer à pas mal de jeux vidéo. Du coup je vais sûrement refaire un JV Blabla 3. Parce que j'aime bien ça et que le premier avait surtout le premier avait pas mal plu. J'avais eu pas mal de commentaires dessus et tout.
c'est un de mes... une de mes passions. Donc, on va allier l'utile et l'agréable. J'espère que ça va plaire à tes gens. Et sinon, j'aimerais bien refaire un truc aussi sur la nature ou sur... sur ma caméra, mais pour l'instant, j'ai pas eu grand chose sur mon piège photo là. Dernièrement, j'ai eu. Surtout qu'on est en hiver, donc forcément, il y a moins de choses, moins de nature. Mais récemment, j'ai eu un blaireau que je pourrais montrer, mais à part ça, qui était dans mon jardin d'ailleurs. Mais à part ça, j'ai pas grand chose à. Pas grand chose d'autre à montrer, donc sinon je pourrais trouver une idée de vidéo. Je sais pas trop encore, mais j'aimerais bien, ouais, refaire un truc sur la nature, qui est aussi une autre de mes passions et dont je voudrais faire le métier d'ailleurs. C'est pour ça que je travaille en bio, enfin pour ça que j'ai fait des études de bio. Mais du coup, je réfléchis encore sur qu'est-ce que je pourrais faire. Ah merde, merde. Je sais pas trop. J'avais hésité à vous faire une vidéo. D'ailleurs, je crois que je les recorde, mais je l'ai jamais posté. C'est que j'aime bien les. Enfin, je me suis passionné pour la... Wow. Ah ouais, c'est le monde inversé. Ok. Mais qu'est-ce qu'on va aller chercher là-bas? Je me suis passionné pour les belotes de... Enfin, on a retrouvé des belotes pas loin de chez moi. Des belotes de mammifères. Enfin, de... Qu'est-ce que je raconte? De chouette, et en fait apparemment, enfin, on peut les disséquer et on retrouve des os du crâne, et avec ça on peut déterminer quelle espèce la chouette a mangé, et du coup c'est super cool. Et j'en avais fait une vidéo, mais c'est un peu trop spécialiste, donc je sais pas si ça peut vraiment plaire. Sinon je vais peut-être j'avais décidé comme faire une vidéo, par exemple, biodiversité. Donc je fais une vidéo ASMR où je parle d'un animal, son écologie, ses menaces, etc. Et je pense que ça peut être pas mal. C'est juste que j'avais eu un peu la flemme de poser là-dessus. Mais là, avec le service civique, du coup, vu que je fais des animations un peu spécialisées sur un animal ou des trucs comme ça, je vais peut-être pouvoir faire ça. T'as pas mal la mécanique ici. Sur cette partie de niveau. Ah merde, par contre je crois que je suis baisé là. Il va falloir que je retourne en arrière. Ouais, du coup je vais voir. Après, avec vous savez, avec moi, rien n'est sûr. Je ferai peut-être pas. Ok, et là, vous essayez. Voilà, ok, nickel. Ici. Ok, on allume l'arbre lumière. Du coup, voilà ce qu'il y a comme nouvelle d'un point de vue ASMR pur, enfin, genre de la chaîne, quoi. On peut pas sortir par là, non.
avance, on avance. Qu'est-ce qu'on veut aller chercher ici? J'imagine qu'il faut remonter ici. Ah merde, on a perdu les papillons. Mais ils sont où? Ah, parce qu'on est sorti de là. Ok. Bon, à savoir. Ouais, il est là, le petit point. Je vais d'abord aller voir là, d'ailleurs. Ouais, y a un truc ici. Allez, c'est parti. On y va. On monte. Et qu'est-ce qu'il y a ici? C'est le confinement en ce moment là, c'est compliqué un peu, je pense, j'imagine, pour tous les étudiants, hein, même de manière générale, un peu pour tout le monde. Même si en soi ce deuxième confinement il est un peu... Enfin, il est un peu particulier parce que tout le monde peut faire un peu ce qu'il veut, enfin genre ceux qui travaillent surtout. Et que c'est moins restrictif, mais... Moi personnellement je l'ai moins bien vécu ce deuxième confinement. Le premier, j'avais eu vraiment... Je m'étais un peu remis à découvrir la nature et à faire plein de choses que j'avais un peu oubliées, entre guillemets. Mais là, ce deuxième confinement, ça a un peu... Pas niqué tous mes plans, mais un peu, quoi. J'avais des projets qui, finalement, n'ont pas pu avoir lieu. Ça a un peu niqué mes plans. Donc le moral il n'était pas forcément tout le temps là, quoi. Mais ça va, quoi. Ça va. Parce que j'ai quand même réussi à avoir le service civique, ce qui m'a remis quand même un boost au moral. Dans cette année un peu particulière pour tout le monde. Je pense qu'il faut garder. Et là, tac. Repartir de l'autre côté. Yes, nickel, c'est comme ça. Et là. Là, on va là. On va là. Et on fait ça. Nickel. Nickel, Chrome. Du coup, j'ai un peu arrêté ce que je disais, mais je savais plus trop où je voulais en venir. Bref. What? Elle? Ah, mais elle s'est remis à chanter. On va un peu se refocus sur le jeu, je pense. Bon, parce que je pense que ça va être la fin du... La fin du... Du let's play. Enfin, j'imagine. Du coup, ça va être... je pense que c'est sympa si... On se refocus à 100% sur le jeu, là. De ce que je comprends, là, elle s'est remise à chanter, donc ça va mieux pour elle. Du coup, quand elle chante, elle fait fleurir les fleurs. Du coup, je sais pas à quoi ça sert, mais on va le faire.
ici, non? Il y a un point déjà, ça y était pas ça avant, non? Je sais pas. Je veux déjà revenir au début parce que je crois qu'on a loupé un truc. Chercher le point. On peut pas chanter sous l'eau, c'est dommage. Ah, ici il va falloir faire un truc apparemment. J'imagine. Non, pas là. On va chanter, on chante. Parce qu'on est content. J'avais pas pigé qu'il fallait se dépêcher. Je pensais pas que c'était comme tout à l'heure. Du coup, moi quand on me dit pas de me dépêcher, hein, je préfère prendre mon temps. D'ailleurs, je préfère ça dans la vie. Je déteste les gens qui me mettent le stress. Je supporte pas. À mon rythme, même si parfois c'est pas, tu peux pas forcément quoi, on est bien d'accord. Ce niveau est super intuitif, enfin genre, tout à l'heure je parlais, j'arrivais quand même à avancer, sans vraiment réfléchir à ce que je faisais. Ok, ça ouvre des plateformes quand on chante. J'aimerais bien retourner à fond. Parce que je crois qu'on a loupé des trucs. Ça ouvre des plateformes. Mais il nous en manquait une. Putain. C'est dur.
passer de l'autre côté. Nickel. Je sais pas trop si c'est c'est peut-être un peu perturbant pour vous, le fait que ce soit retourné. Je sais pas trop, vous me direz dans les commentaires. C'est magnifique ici. Génial. Bon, je le sais que je le dis à chaque épisode, mais ce jeu est vraiment magnifique. On réveille les plantes. Ici, on peut tomber. Servir à ça. Du coup, ça nous ouvre encore une autre partie. Ah, c'est un secret. Ça clignote. J'adore quand ça dézoome. C'est vraiment trop beau. Il y a un petit point là-haut. Je sais pas comment y aller. Je sais pas, je crois qu'on peut pas pour l'instant. On va aller voir à droite si ce qui se trame. On va réveiller tout le monde. Bam. On va monter là. Réveiller ça. Un secret. C'est quoi ça, ce point lumineux, même pas, c'est quoi? Je comprends pas ce que c'est. D'accord, très bien. Ok. What? Qu'est-ce que c'est que ça? De l'heure par contre.
J'apprécie la beauté du jeu. Là où il y avait
assez de points, je sais pas. Je pense qu'il faut aller là-haut. Ah là, et peut-être qu'on s'y enchaîne. Est-ce que ça va activer ça? Ok. C'est toujours pas la fin. Donc je pense que je vais arrêter l'épisode pour aujourd'hui. Et c'est pas grave, je ferai un dernier épisode. J'essaierai de le faire assez rapidement cette fois. Et je pense que celui-là, ça va être le dernier parce que, comme vous avez vu, la constellation s'est terminée. Donc je pense que ça va être le dernier niveau là-haut, à mon avis. J'ai pas eu tous les secrets apparemment. Comme vous le voyez là. Apparemment il me manque des secrets. Bon c'est pas bien grave. Au début je voulais essayer de tous les avoir mais... J'ai pas envie de me prendre la tête sur ce genre.